Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, et l'actualité de ce soir partira de Goma, province du Nord Kivu, pour vous dire que le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemin Chabani, est arrivé aujourd'hui, 13 juillet 2024, à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour une mission d'itinérance dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Jacquemin Chabani est accompagné du ministre d'État, ministre en charge du développement rural, Mohindo Nzangi, du vice-ministre aux affaires coutumières, Jean-Baptiste Mwamindeze, ainsi que quelques élus députés nationaux de la République démocratique du Congo. Après avoir été invité par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, le célèbre chanteur Koffi Olomide est une fois de plus attendu pour lundi 15 juillet 2024 au parquet général près la Cour de cassation pour des faits dont il prendra connaissance sur place. La star de la rumba RD congolaise, Koffi Olomide, doit faire face cette fois-ci à la justice pour ses propos jugés par les uns comme démobilisateur de troupes engagées au front dans l'est de la République démocratique du Congo, propos, et pour les autres, propos courageux pour certains autres Congolais qui estiment que la vérité doit être dite pour pousser les dirigeants congolais à soulager la misère vécue par les Congolaises et Congolais vivant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. L'opinion se souviendra que tout est parti de son invitation à l'émission Le Panier, animée par les journalistes Jessica Basselé, émission de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, au cours de laquelle la superstar de la rumba RD congolaise a mis en cause le terme « guerre » qui implique une forme de réciprocité. Selon le patron du quartier latin, Koffi Olomide, il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous tout ce que l'on veut, avait-il décrié pour enfin que chacun de nous défende la République démocratique du Congo dans sa sphère d'activité. Le directeur général de l'Office des étrangers belges, Freddy Rosemont, a tenu aujourd'hui un point de presse ici dans la commune de Lingwala autour de la coopération bilatérale entre Bruxelles et Kinshasa, et particulièrement en matière de migration pour ceux de Congolais qui voudraient obtenir l'asile au niveau du sol belge. Suivez avec Dieu merci Kanampoy. Freddy Rosemont, directeur général de l'Office des étrangers, a commencé par décrire la nature des relations entre cet établissement belge et la Direction générale de migration, en passant par un bref aperçu de l'évolution statistique et contextuelle de l'asile, avant d'inviter les professionnels de médias congolais à jouer leur rôle premier, qui est celui d'informer. D'abord, au sujet des relations entre l'Office des étrangers belges et la DGM, Freddy Rosemont a rappelé que le premier accord entre les deux établissements a été signé en 2006 et que depuis, plusieurs projets d'intérêt commun ont déjà vu le jour, à l'exemple de la construction de postes frontaliers pour la DGM. Ensuite, le DG de l'Office des étrangers a signalé que ce point de presse tombe à point nommé, d'autant qu'il y a une augmentation de demandes d'asile au pays. En clair, il y a eu 1220 demandes en 2023 contre 650 depuis le début de l'année 2024. Au regard de ce chiffre, la RDC se place en 6e position parmi les pays du monde dont les demandes d'asile pour la Belgique vont sans cesse croissantes. Enfin, comme ce fut le cas en 2022 avec sa prédécesseur, le DG Freddy Rosemont a aussi lancé un appel pressant à la presse congolaise pour un travail plus pédagogique qu'informatif vis-à-vis du public, qui consistera à lui montrer qu'il y a plus à gagner en suivant la procédure légale et normale d'obtention de visa plutôt que de recourir soit par les agences privées dont les démarches coûtent parfois très cher, ou encore de trouver des alibis pour une demande d'asile. Ainsi, le DG de l'Office des étrangers belges promet de veiller à ce que le nombre de guichets et des agents dans ces structures de délivrance des visas soient augmentés afin de mettre fin aux longues files d'attente pour l'obtention de ces derniers. Agression de la République démocratique du Congo par d'un côté le Rwanda et de l'autre l'Ouganda. Jacky Ndala estime que tous les acteurs politiques évoluant en République démocratique du Congo doivent s'asseoir pour parler et de manière franche, car pour lui, la République démocratique du Congo n'a véritablement jamais obtenu son indépendance. Regardez en image avec Ave Maria Lou, Fankenda, Fofana Mukubi et Jusen Belebele.
Nous sommes dans un pays attaqué, agressé et puis occupé, il faut le dire comme cela. Et un État, comme le nôtre, donc un État souverain, les États-Unis, nous demande une trêve. Je ne sais pas pour quelle raison. On vous explique, c'est pour que les populations déplacées puissent revenir dans leur village, ainsi de suite. Et après les 15 jours, on va siffler. Comment ça va se passer? Je ne comprends pas. On va donner les coups d'envoi pour que la guerre reprenne. Et l'État congolais accepte. Et pendant ce temps, on a comme l'impression que les États-Unis en ont profité pour permettre à Kagame, qui est en pleine campagne électorale, à la veille des élections, de les faire tranquillement. Et quand il va finir sa campagne de charme au niveau de la présidentielle au Rwanda, qu'il revienne encore nous attaquer. Donc moi je suis un peu, je ne sais pas si ce que j'ai dit est logique, mais c'est au fait comme ça que les choses se passent. C'est révoltant, ce n'est pas normal. Et si nous avions pendant cette période la stratégie d'attaquer pour pouvoir en finir avec cette rébellion ou alors ces agresseurs. C'est important à retenir ce que ça fait 64 ans qu'on est soi-disant indépendant. Parce que moi et puis nous, le mouvement de réveil et prise de conscience, MRPC Congo, on dit clairement qu'on a trahi nos pères de l'indépendance. Nous sommes dans ce que nous appelons la démagogie, les fausses promesses, les mensonges, les insultes, la haine, le tribalisme, le népotisme, les détournements des deniers publics. Je crois que les esprits existent. Il est grand temps que le Congolais puisse se mettre ensemble, revenir aux valeurs ancestrales. Il faut des assises sur la réconciliation et la vérité, qu'on se pose des questions sur qui est Kabila. On a dit qu'il était rwandais, par exemple. Est-ce qu'il est toujours rwandais ou pas? On a dit que Katumbi était un étranger. Est-ce qu'il est ou pas? Qu'on se retrouve autour d'une table. En République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Kinshasa, une folle rumeur a considérablement occupé la toile il y a quelques jours. Rumeur disant que Jean-Marc Kaboune Akaboune serait libéré de la prison de Makala où il est détenu. Faux. Le porte-parole de l'Alliance pour le changement, Guy Roger Ngoy, a dit que l'initiateur de leur parti, donc Jean-Marc Kaboune Akaboune, n'est pas encore sorti de la prison, mais ils font tout pour que celui-ci puisse sortir de Makala. Suivez avec Ave Maria Loum Fankenda, David Tembeni. En réalité, cette rumeur qui circule n'est rien d'autre que l'expression de la population qui désire ardemment voir le président Jean-Marc Kaboune Akaboune en liberté. Il est clair que toute la population s'est rendue compte que l'honorable président Jean-Marc Kaboune Akaboune est détenu injustement à ce jour à la prison centrale de Makala. Alors, quoi de plus normal que ce peuple puisse, à ce stade, se sentir, en tout cas dans le besoin de voir l'honorable Jean-Marc Kaboune Akaboune en liberté. Nous sommes très sereins, le parti est très serein. Vous savez que le parti a toujours été du côté de la population congolaise. Alors, si cette population aujourd'hui exige de sa plus belle de manière la libération sans condition de l'honorable président Jean-Marc Kaboune Akaboune, que voulez-vous que nous puissions faire? Le parti va toujours continuer à se ranger du côté de la population pour joindre sa voix à celle de la population et exiger bien entendu la libération de l'honorable Jean-Marc Kaboune Akaboune. Un mot sur l'affaire de prévenu du coup d'État manqué du 19 mai 2024 à Kinshasa. Les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Gombe, qui jugent 51 prévenus, a tenu vendredi 12 juillet 2024 à la prison militaire d'Ndolo sa 8e audience dans cette cause. Il a entendu 6 prévenus dont les conducteurs du bus ayant transporté les assaillants et les convoyeurs. Tous deux ont nié le fait mis à leur charge. Sylvain Kapombo, Bosengele. Bon major, la police d'audience est rangée pour rendre l'honneur. Au nombre des prévenus que l'auditeur militaire des garnisons ministère public poursuit pour 6 chefs d'infraction, à savoir attentat, terrorisme, meurtre, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat et association des malfaiteurs, figurent Kamanda Kadima Frank et Mavungu Bongo Bienvenu. Ces derniers sont respectivement chauffeurs du bus ayant transporté les assaillants du coup d'État manqué du 19 mai en provenance de Boma jusqu'à l'auberge chez Momo à Kinshasa, précisément à l'UPN, et convoyeurs du Dubis. Vendredi 12 juillet 2024, ils ont présenté leurs moyens de défense devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombe. Les chauffeurs et les convoyeurs ont tous nié leur participation à la bande criminelle du mouvement New Zaïre de Fait Christian Malanga, que l'organe accusateur reproche d'avoir commis des actes visant à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo. Ces deux prévenus ont soutenu que le bus en question a été bel et bien loué à l'agence pour transporter les fidèles de l'église des Noirs. Ils ont été surpris de certains actes posés par leurs clients à l'auberge chez Momo à leur arrivée.
lesquels actes ont été dénoncés par eux à la DEMIAP, ont-ils ajouté. Faux, a rétorqué l'organe de la loi qui a soutenu à son tour que les deux prévenus ont été des mèches avec les assaillants. Et la police est là. La cause a été remise contradictoirement à lundi 15 juillet 2024. Parlons de cette rencontre entre le ministre congolais de ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, et son homologue centrafricain, Arthur Bertrand Péri. Les deux hommes ont échangé sur la nécessité de mettre ensemble le projet de barrage Grand Bangui, qui vise entre autres à développer des infrastructures énergétiques transfrontalières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine de l'autre. Mandy Kouyala pour la suite. La coopération énergétique entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine prend de l'ampleur. Le ministre congolais des ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a reçu ce vendredi 12 juillet son homologue centrafricain, Arthur Bertrand Péri, au sein de son cabinet de travail à Kinshasa. Les deux ministres ont discuté de la mise en œuvre du projet du barrage Grand Bangui, un projet phare qui vise à développer les infrastructures énergétique transfrontalière entre les deux pays avec le soutien financier de la Banque africaine de développement. Nous pensons que c'est un très bon modèle de développement dans la sous-région et aussi pour une preuve d'amélioration de qualité de relations entre les deux pays et sur ce, sur base de l'eau et de l'électricité. Ces projets intégrateurs dans les domaines de l'hydroélectricité devraient bénéficier à la population des Bangui et des Zongo, a souligné Teddy Luamba. Les deux ministres ont également évoqué la mise en place des comités de suivi pour garantir la réussite du projet et ont prévu une inauguration conjointe par les chefs d'État des deux pays. Le ministre centrafricain de l'énergie et de l'hydraulique, Arthur Bertrand Péri, a mis en avant l'importance de la coopération entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo dans les domaines de l'énergie et de l'eau. Les deux experts puissent travailler de telle manière à ce qu'on puisse aboutir avec ce projet qui consiste à donner de l'eau potable à une population de Bangui et en utilisant les mêmes installations pour donner également de l'eau potable à une population de Zongo. La mise en service du barrage Grand Bangui est considérée comme un grand pas en avant pour le développement du secteur énergétique dans les deux pays et devrait contribuer à pallier la pénurie d'énergie qui les affecte. La nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Ngouba et Mbujimayi. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, a foulé les sols de Lualaba depuis le jeudi dernier pour y lancer les travaux de cette réhabilitation, la réhabilitation de cette route. Le tronçon compte près de 900 km, ce qui passe pour être une première depuis que le Congo-Kinshasa, pays de Patrice Emery Lumumba, est indépendant. Regardez. C'est dans la matinée du mercredi 10 juillet 2024 que l'avion transportant le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a foulé le sol Lualaba. Tout protocole observé, le patron des infrastructures s'est rendu au gouvernorat de province. Après la présentation des civilités et un bref échange, le cortège a pris la route pour le site du lancement des travaux de construction et de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Ngouba
et Mbujimayi. Ce projet routier de près de 900 km que compte réaliser le gouvernement congolais via le ministère des ITP et ses structures est l'un des plus grands projets de route que le pays n'a pas réalisé depuis son accession à l'indépendance. C'est le fruit de la convention de collaboration entre la RDC et les groupes des entreprises chinoises qui ont aussi marqué leur présence à cette cérémonie. Il s'agira de réhabiliter la route avec un revêtement en béton bitumineux à la lutte anti-érosive et au remplacement de certains ponts, a précisé le directeur général de la CGT. La PCSC, qui loue ce projet du programme sino-congolais, appelle les parties prenantes à apporter chacune sa pierre à la réalisation de ce projet très bénéfique pour le social et l'économie de la population, tel que l'a souligné dans son mot la gouverneure Fifi Masuka. Là où la route passe, le développement suit. Cette phrase célèbre du ministre d'État Alexis Guissard Oumouvouni, dans tous ses discours, trouve ainsi corps dans ce lancement. Pour la première fois, la République démocratique du Congo aura une route épine dorsale du système de communication. Le ministre d'État des ITP se dit satisfait de cette carte jouée pour le développement de tous les pays à travers la route nationale numéro 1 qui relie 11 provinces. Nous lançons aujourd'hui les travaux de la route nationale numéro 1 dans sa section Nguba-Mbujimayi et cela fait suite à la même cérémonie que nous avions fait à Kinshasa pour les rocades, à Kananga pour la route Kalamambouji, tout cela dans le cadre de la matérialisation de notre plan quinquennal 2024-2028, qui est un plan qui est financé pour une large partie par notre partenariat avec Sicomine, qui nous a permis d'obtenir des budgets conséquents pour pouvoir exécuter ces grands travaux d'infrastructure. Pour un coût global de 900 millions de dollars américains pour le 848 km, dont 130 millions de dollars sont déjà disponibles pour les 6 prochains mois. Ce projet couvrira 6 tronçons qui traversent 4 provinces, à savoir le Kasaï oriental, la Lomami, le Haut-Lomami et le Lualaba, sans oublier d'autres projets d'infrastructure. Élu gouverneur dans la riche province du Lualaba, les tandem Fifi Masuka Saini et Clément Mufunji a été investi officiellement pour agir en tant que tel dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez en image ce qu'a été la cérémonie d'investiture sur ces images. Enfin, c'est dans les annales. Après sa brillante élection au poste des gouverneurs de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini et son adjoint Clément Mufunji Chinatkarl prennent le bâton de commande de ce poumon économique de la République démocratique du Congo lors d'une double cérémonie de remise-reprise et d'installation du gouverneur et vice-gouverneur de province. À l'installation de Madame Masuka Saini Fifi en qualité de gouverneur de la province du Lualaba. Dans la foulée, le message du vice-premier ministre de l'Intérieur a été lu après la lecture des différentes notifications. Nouvellement élu et investi, stop. Par ordonnance présidentielle, stop. Puis, s'en est suivi la remise et reprise entre le vice-gouverneur sortant Fifi Masuka et celui entrant Clément Mufunji, une première dans l'histoire de la province du Lualaba. Pleine d'émotion, la gouverneure foule prend la parole pour un premier discours à la population. Je ne peux me soustraire au devoir de reconnaissance envers la population du Lualaba, toutes les couches confondues, pour la confiance qu'elle continue à fonder sur moi et pour l'accompagnement qu'elle m'assure en toutes circonstances. Dorénavant, le ticket Fifi Masuka et Clément va devoir présider à la destinée du Lualaba à travers cette cérémonie historique de ce 12 juillet 2024. 64 ans après l'accession de la République démocratique du Congo, la plupart des Congolais restent mal logés. Mais pour un début de solution, le groupe Luxos a annoncé le lancement de son offre de construction Maison de rêve. Vendredi 12 juillet 2024, à Kinshasa, Gombe, Luxos offre la possibilité à ses différents clients pour construire leur maison en procédant par le paiement échelonné. On fait le point avec Africa Mujinga.
Implanté depuis 2018 en République démocratique du Congo, le groupe Luxos compte déjà plus de 3000 clients dans les secteurs de l'immobilier et de la construction. Le vendredi 12 juillet 2024, cette entreprise immobilière des Congolais a annoncé lors d'un cocktail à Gombe devant son comité de direction et ses invités de marque le lancement de son offre « Ma maison des rêves ». Un projet de construction sur mesure qui offre la possibilité à ses clients de construire leur maison en procédant à des paiements échelonnés avec ou sans caution. Il s'agit de construire notre beau pays par les fils de ce pays. Et je crois que avec ces offres d'une entreprise congolaise, faite par des ingénieurs congolais, avec des modalités de paiement à partir de $295, comme on l'a vu, c'est possible. Et votre présence ici nous encourage à continuer. Pour sa directrice générale, Sarah Kalambay-Tchala, Luxos a révolutionné et démocratisé les secteurs immobiliers en RDC. Le projet péage est bel et bien plus qu'une simple collection de maisons. C'est le résultat de notre engagement à créer des espaces de vie qui allient confort, design et durabilité. Chaque maison reflète notre attention au détail et notre passion pour l'excellence. Luxos a plusieurs produits, notamment NCPV. Entendez, nous construisons pour vous. NCPV, nous construisons pour vous, est un produit innovant et révolutionnaire dans le monde de l'habitat. Vous, propriétaire d'une portion de terre en RDC, quand je dis la RDC, c'est-à-dire dans toutes les provinces du pays, dans toutes les communes du pays, vous avez un terrain et que vous souhaitez le mettre en valeur, mais que vous êtes buté à des difficultés économiques, Luxos RDC vous accompagne dans le montage et dans la réalisation de votre maison de rêve. C'est-à-dire que une équipe technique viendra dans votre parcelle, fera l'étude nécessaire des désirata du client que vous êtes. Ensuite, vous sera transmis un devis quantitatif qui sera accompagné d'une proforma définissant les modalités de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir réaliser un projet de construction en payant $200, $300, $400 par mois en fonction de la nature de votre projet. Nous sommes sur l'avenue Likasi numéro 6, dans la commune de la Gombe, quartier Royal. Luxos a également profité de l'occasion pour présenter ses différents types de villas, à savoir Villa Ivana Samuel Bonzenga, Villa Mounia et tant d'autres. Dévoile la belle maquette, elle est impressionnante. Et pour peut-être terminer, le mouvement féministe Bissobassi, Télément, entendez, nous, les femmes, lèvons-nous, en collaboration avec la MONUSCO, a organisé un talk show à l'Unitex Africa, situé dans la commune de Lagombe, vendredi 12 juillet 2024, en marge de la journée internationale dédiée à la femme africaine avec pour thème « Femmes, unissons-nous ». Suivez avec Mokondi Norbert. Ces talk shows organisés par le mouvement féminin Bissobassi Télima et la MONUSCO avaient pour but de donner l'espace d'une expression à la femme pour la permettre d'évaluer son combat et discuter sur les perspectives d'avenir. Pour la représentante de la section genre MONUSCO en RDC, cette activité tombe à point nommé en vue d'apporter l'éveil de conscience à la femme. Dans le cadre spécifique de cette activité, il s'est agi pour nous de rappeler que les violences basées sur le genre sont d'abord des violences d'inégalité de pouvoir. Et que si nous voulons que les femmes puissent survivre aux violences conjugales, aux violences en milieu professionnel, il faudrait qu'elles renforcent leur pouvoir en matière, dans l'espace conjugal, dans l'espace professionnel. Mais surtout, mettre l'accent également sur la sensibilisation. La représentante du ministre conseillère chargée de la famille a pensé qu'il fallait une bonne prise de conscience pour que la femme vive son émancipation attendue. Le président a déjà lancé l'élan du développement et de l'intégration de la femme dans toutes les activités et sphères de la vie politique institutionnelle de notre pays. Donc les femmes doivent s'en approprier et s'engager encore plus activement, d'être déterminées, d'être motivées, mais également de travailler ensemble. Parce que la lutte n'est pas pour un individu, mais c'est pour l'ensemble. C'est dans un climat de convivialité que s'est clôturée cette cérémonie.
Et c'est sur ces images de Norbertine Mokonzi que nous allons clôturer ce journal tout en vous souhaitant bon week-end dans vos familles et au revoir.